stop sign is illuminated, as you'll notice it is right at this moment. I'd like to draw your attention to the 6 emergency exits located on board. There are 2 emergency window exits located mid-cabin over our wings, 2 emergency door exits located in the front, as well as 2 more emergency door exits located in the back of the aircraft. Now each of these exits are clearly marked, so please take this time to note the exit nearest to you, as well as the location of all other exits. This aircraft is equipped with fancy floor level lighting that will come on automatically in the event of a power loss or an emergency. Our floor area will be illuminated and all exits indicated by an exit sign. Now our cabin pressure is controlled for both your comfort as well as your safety should there be any changes, for oxygen masks will drop from that panel located above your head. Don't be greedy, just take one and pull it towards you to start the flow of oxygen. Place that bright yellow cup firmly over your nose and mouth, securely behind your head with the elastic strap, and pull on the 2 free ends of the elastic strap to tighten. Breathe normally and do not move until instructed to do so by one of your crew members. And just as a note, even though oxygen is flowing, a plastic bag may not inflate, however that is perfectly normal. As well, a reminder to those traveling with small children or just anyone that does require a little extra assistance, we are going to ask that you please don your own mask prior to assisting others. Now, if you wouldn't mind helping us out in securing our cabin before takeoff, please ensure all those seat backs and tray tables are back in their full upright and locked position. And please adhere to those passenger information signs, which are located in the console above your seat. And the best part has arrived. It's where we get the chance to wow and amaze you with the Western hospitality on our 1 hour and 50-minute flight onto Edmonton. And ladies and gentlemen, if you do have any questions or concerns at all today, please do not hesitate to let one of us know. We're here for your comfort and, most importantly, your safety. Now, these 2 fine WestJetters can do this one more time. For our French-speaking guests, we will be up and on our way. And if you don't require the French safety demonstration, you're more than welcome to use any headsets or small handheld electronics, provided they are held or secured, and the cellular signal does remain in airplane mode. We do appreciate your attention and your cooperation. We hope you enjoy your flight today. Nous vous prions de nous accorder toute votre attention alors que nous examinons les procédures de sécurité suivantes. Dans la pochette du siège devant vous, vous trouverez une carte des mesures de sécurité. Veuillez en suivre avec nous les points importants. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette de métal dans la boucle. Tirez sur la courroie pour l'ajuster sur vos hanches. Pour détacher votre ceinture, il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en tout temps lorsque le voyant lumineux est allumé. Il y a un total de 6 sorties d'urgence sur cet appareil. Il y a 2 hublots de sortie situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes. 2 portes de sortie à l'avant et 2 portes à l'arrière de la cabine. Ces sorties d'urgence sont clairement indiquées. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre place, ainsi que l'emplacement des autres sorties de secours. Cet appareil est équipé d'un éclairage au sol qui s'allumera en cas d'urgence ou de panne d'alimentation. Un trajet lumineux vous conduira à la sortie d'urgence. La pression dans la cabine est réglée pour assurer votre confort. En cas d'un changement de pression, le panneau situé au-dessus de votre tête s'ouvrira automatiquement et déclenchera 4 masques à oxygène. Restez assis, tirez sur le masque et l'oxygène se libérera automatiquement. Placez le masque fermement sur votre nez et votre bouche, tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Pour serrer, tirez simplement sur les 2 extrémités de la bande élastique. Respirez normalement et gardez votre masque jusqu'à ce qu'un agent de bord vous demande de l'enlever. Il est possible que le sac de plastique ne se gonfle pas, même si l'oxygène circule. Nous rappelons aux invités voyageant avec des enfants ou une personne ayant besoin d'aide qu'ils doivent placer leur masque en premier avant d'aider les autres. Veuillez redresser le dossier de votre siège et votre tablette et respecter les consignes lumineuses situées sur le panneau au-dessus de vous. Vous pouvez maintenant utiliser vos écouteurs et petits appareils électroniques portatifs tant que ces appareils demeurent sécurisés ou tenus et que le signal cellulaire soit éteint. Si vous avez des questions ou si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. Thank you.